Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Mesdames et Messieurs, représentants des partenaires de la République démocratique du Congo, chers experts, distingués invités et participants, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous ici à l'Université de Columbia. Je me permets de saisir cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude envers le réseau des Nations Unies pour le développement du, des solutions durables pour m'avoir accordé le privilège de prendre la parole à l'occasion de la 11e conférence internationale annuelle sur le développement durable en vue de partager les expériences et les solutions pratiques afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Qu'il me soit permis de remercier également les organisateurs, le Global Masters in Development Practice, et en particulier le professeur Jeffrey Sachs, président du réseau pour des solutions de développement durable, pour son engagement sans faille et inconditionnel à la problématique du développement durable en République démocratique du Congo, mon pays. Je salue également la présence remarquée des représentants des universités, des gouvernements, de la société civile, des agences des Nations Unies et du secteur privé, venus de différents abords qui participent activement à la réflexion sur les principaux défis et opportunités en matière de développement durable à mi-chemin de l'agenda 2030 des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, les rapports de suivi de progrès ODD 2020-2022 euh, indiquent que les progrès en matière de développement se sont inversés sous l'effet conjugué des catastrophes climatiques, des conflits récurrents, de la récession économique et des effets persistants de la pandémie de COVID-19. Dans cette foulée, les inégalités et la pauvreté se sont aggravées. La faim et la malnutrition sont en augmentation. Les besoins humanitaires et les déplacements des populations, des populations atteignent de, de nouveaux records. Les catastrophes climatiques et environnementales plongent le monde dans un risque systémique et existentiel des plus graves. Mesdames et Messieurs, le principe ne laisser personne de côté est au cœur de l'agenda 2030. Une cible ne peut être considérée comme atteinte si elle n'est pas atteinte universellement. Ainsi, agir pour vaincre la vulnérabilité et la pauvreté en ne laissant personne de côté, constitue donc une condition sine qua non pour atteindre les ODD en République démocratique du Congo. Des politiques courageuses et urgentes doivent être prises afin d'élargir les mesures de protection sociale et d'endiguer les inégalités des revenus, mais aussi pour soutenir les personnes vulnérables, dont les jeunes et les femmes. Accélérer les progrès vers les ODD reste un défi majeur pour un pays comme le nôtre. Pour répondre à l'ambition, il faut lancer une dynamique de passage à l'action qui implique de nouvelles formes de gouvernance favorisant à la fois une approche transversale et une mise en cohérence des actions conduites à différentes échelles par toutes les parties prenantes. Au développement. Cette vision et cette approche des ODD ont inspiré la feuille de route d'accélération des ODD adoptée par le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue d'agir de manière plus approfondie, rapide et ambitieuse afin de provoquer une transformation sociale et économique nécessaire pour réaliser les ODD à 2030. Son objectif principal est de disposer, avec les sectoriels et autres acteurs de mise en œuvre des ODD, des interventions spécifiques à fort effet d'entraînement pour lever de manière efficace et durable les goulots qui freinent la mise en œuvre des ODD sur les prochaines années. Les propositions et engagements repris dans la feuille de route d'accélération des ODD se structurent autour de six actes, axes prioritaires qui regroupent thématiquement les 17 ODD. Mesdames et Messieurs, de prime abord, un climat de paix et une bonne gouvernance constituent un atout majeur pour la réalisation des ODD. Les institutions efficaces ont des effets positifs sur tous les ODD en permettant une meilleure allocation des ressources tant matérielles qu'humaines, un espace pour la redevabilité, la responsabilisation et la participation. La triade constituée de la bonne gouvernance, la paix durable et des institutions fortes permettent une meilleure jonction entre les trois piliers de développement durable, l'économie, le social et l'environnement. Si des avancées ont été enregistrées sur le plan institutionnel en République démocratique du Congo, plusieurs goulots d'étranglement persistent. La corruption reste endémique. Aussi, les conflits persistants, principalement à l'Est, ne permettent pas un développement institutionnel. Il ne peut y avoir de développement et encore moins de développement durable dans un contexte où règne l'instabilité, la violence et le conflit, avec leur lot de souffrance pour les populations et leurs impacts extrêmement négatifs sur l'économie. Évidemment, la paix seule ne suffit pas. Il faut un engrenage qui permette au pays de prendre des mesures adéquates pour innover en termes de réformes. Ceci n'est possible que dans un pays où les institutions sont efficaces et les distorsions liées à la corruption bannies ou contenues. Le deuxième axe prioritaire de la feuille de route d'accélération des ODD concerne le développement des infrastructures énergétiques, hydrauliques, de transport et numériques pour soutenir la croissance. À ce propos, il convient de rappeler que la République démocratique du Congo a un potentiel énergétique énorme. Hormis le potentiel solaire, éolien et en biomasse, 890 sites ont été identifiés et localisés pour des aménagements hydroélectriques sur l'ensemble du pays, totalisant plus de 100 000 MW. Paradoxalement, plus de 80 des Congolais n'ont pas accès à l'électricité avec de fortes disparités. Avec une économie de plus en plus intensive en énergie, cette carence constitue une des principales contraintes à une croissance durable et inclusive. Les technologies modernes, la croissance de la productivité et le développement d'activités à plus forte valeur ajoutée nécessitent davantage d'électricité. Le déficit en énergie, couplé au déficit en infrastructures de transport, constitue une des principales contraintes à l'accélération de progrès vers les ODD en République démocratique du Congo. Pour un pays aussi grand que la RDC, en termes de superficie, la réhabilitation des infrastructures de transport endommagées reste une priorité. Une meilleure connectivité peut raviver l'activité économique et stimuler la croissance, condition nécessaire pour sortir des millions de Congolais de la pauvreté et de la vulnérabilité. Par ailleurs, l'accès universel à une source d'eau améliorée s'oppose avec acuité dans notre pays principalement dans les milieux ruraux où moins de 40% de la population a accès à l'eau. À première vue, le secteur de l'eau urbaine semble avoir relativement bien performé. À ce jour, plus de 80% de la population urbaine a un accès à une source améliorée d'eau, principalement par le service public national, la régie des eaux. Toutefois, un examen plus approfondi révèle une image plus problématique. La croissance rapide de la population urbaine a conduit à une hausse du nombre de citadins sans accès à une source d'eau améliorée et la qualité de l'offre s'est détériorée. Le troisième axe cible le développement de l'agriculture et des industries de transformation pour assurer la modernisation structurelle de l'économie et créer des emplois décents et bien rémunérés. En effet, les années de mauvaise gouvernance, des conflits et instabilités ont conduit à l'effondrement de l'agriculture. Le développement agricole est par ricochet l'amélioration des revenus tirés des activités agricoles et des activités rurales non agricoles peut contribuer à la création d'un cercle vertueux dans lequel la demande que génère la croissance agricole crée à son tour une demande de biens et services produits localement et non exportables. Un des défis de la République démocratique du Congo est de rendre l'agriculture nettement plus productive afin de parvenir à une plus grande sécurité alimentaire et de permettre le développement d'un éventail plus performant et diversifié de capacités productives. La République démocratique du Congo devra œuvrer pour augmenter la part de production agricole dans le produit intérieur brut. C'est tout le sens de notre objectif de la revanche du sol sur le sous-sol. Le quatrième axe prioritaire réunit les propositions et les engagements orientés au renforcement du capital humain plus particulièrement les questions relatives à la santé, l'éducation et la protection sociale. L'un des principaux moteurs de la croissance, de la productivité et de l'innovation est le développement du capital humain. Un système de protection sociale bien conçu et mis en œuvre constitue un élément puissant pour valoriser le capital humain, réduire les inégalités, renforcer la résilience et lutter contre la pauvreté. En instaurant des régimes universels de protection sociale, y compris des socles de protection sociale, la République démocratique du Congo peut garantir que personne n'est exclu et que la prospérité, la prospérité est partagée. Ainsi, l'étroitesse de la sécurité sociale en République démocratique du Congo constitue un réel goulot d'étranglement pour un développement qui ne laisse personne de côté. On estime seulement à 9,6 de Congolais qui bénéficient d'au moins un des éléments du socle de la protection sociale. Par ailleurs, la sécurité, l'accès à la santé et à l'éducation sont des puissants vecteurs de développement durable. Elles contribuent par leurs efforts transversaux à briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la vulnérabilité. S'agissant de l'éducation, des progrès fort appréciables ont été accomplis au cours des années passées. La gratuité de l'éducation instaurée en 2019 est venue davantage accélérer des progrès en récupérant des millions d'enfants autrefois exclus du système scolaire. Le nombre d'élèves nouvellement inscrits, aussi entre 4 et 5 millions d'enfants, et la, plus de la moitié de ces enfants sont des jeunes filles qu'on a pu ramener dans le parcours scolaire grâce à la mesure de la gratuité de l'enseignement. Toutefois, Malgré ce progrès, le système éducatif congolais fait encore face à de nombreux défis. Autant la réforme de la gratuité a sans doute récupéré les enfants non scolarisés, autant elle a généré d'autres problèmes dans le système éducatif, parmi lesquels une pression sur les infrastructures. Donc nous avons maintenant, euh, nous devons faire face plutôt à un besoin croissant de construction d'écoles. Quant à la santé, la République démocratique du Congo fait toujours face à des défis cruciaux. Le paludisme et autres maladies endémiques continuent malgré des progrès enregistrés. Par exemple, pour la seule année de 2021, plus de 21 millions de cas de paludisme ont été enregistrés dont 48,76% concernent les enfants de moins de 5 ans. Les infrastructures sanitaires sont non seulement insuffisantes, mais aussi délabrées et dysfonctionnelles, et en manque d'un train essentiel pour une meilleure prise en charge des malades. La couverture vaccinale, malgré les progrès accomplis, reste faible. Face à ces défis, les efforts sont centrés sur la mise en place d'une couverture sanitaire universelle. L'objectif poursuivi est d'assurer les services de santé de qualité et abordables, quelles que soient les capacités financières de chacun. Une fois mise en place, la couverture sanitaire universelle permettra ainsi, permettra ainsi de renforcer la solidité des systèmes de soins de santé primaires, réduire les risques financiers associés à une santé dégradée et accroître l'équité entre les citoyens. Sous ce registre de réformes visant à assurer la couverture santé universelle, il convient de noter qu'au regard des, des proportions inquiétantes de la mortalité maternelle et infantile à travers le pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé au début de ce mois de septembre au lancement du programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Par ailleurs, dans la perspective de réduire rapidement la pauvreté ainsi que les inégalités spatiales, le gouvernement congolais a initié le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle. Ce programme, qui est actuellement en, en phase d'exécution, vise à réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales, et transformer les conditions et le cadre de vie des populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Le cinquième axe concerne la lutte contre les changements climatiques. Il regroupe tous les engagements, les programmes et les projets visant à restaurer les écosystèmes terrestres et marins. La République démocratique du Congo détient 10% des forêts tropicales du monde et les plus grandes tourbières du monde, couvrant 100 000 km carrés. Le bassin du Congo est l'une des dernières régions du monde à absorber plus de carbone qu'elle n'en émet. Il absorbe chaque année près de 1,5 milliard de tonnes de CO2 de l'atmosphère soit 4 des émissions mondiales, équivalent à 10 ans d'émissions mondiales. Le pays devra œuvrer pour la préservation de ses ressources forestières en luttant principalement contre la déforestation. Cela est d'autant plus crucial que la forêt congolaise est sous pression. Il est inéluctable que la lutte contre la déforestation et la bonne gestion de la forêt doivent se baser sur le développement rural, la réduction de la pauvreté et une meilleure sécurité alimentaire. Le pays devra donc mobiliser des ressources diverses pour répondre au double défi de la sécurité alimentaire et du changement climatique. Par ailleurs, le gouvernement congolais met, en œuvre, met tout en œuvre plutôt pour lutter contre les changements climatiques et limiter, voire même mettre un terme à la destruction des écosystèmes marins et terrestres. C'est dans cette perspective que le pays s'est résolument engagé depuis 2015 à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21 d'ici 2030 en fonction des financements internationaux avec des actions clés dans les secteurs de forêt, de l'agriculture, et de l'énergie. Le dernier axe de la feuille de route se propose de renforcer la mobilisation des ressources et des partenariats diversifiés pour soutenir la mise en œuvre des ODD. En effet, l'un des principaux défis de la mise en œuvre de l'agenda 2030 est le financement. Les ODD sont extrêmement ambitieux et exigent des moyens de financement colossaux. À défaut desquels, il sera impossible de les atteindre d'ici 2030. Selon le Fonds monétaire international, un rapport de 2023, les dépenses supplémentaires nécessaires à la réalisation des progrès conséquents dans cinq domaines primordiaux, la santé, l'éducation, l'électricité, l'eau, l'assainissement et l'hygiène et l'infrastructure routière, en 2030, s'élèvent. 43,9 du PIB, 9 du PIB. Devant de tels besoins, la République démocratique du Congo devra mobiliser des ressources internes et externes sur la base d'une feuille de route pour assurer le financement dans les, euh, des dépenses nécessaires. Toutefois, il est aujourd'hui largement admis que le financement des ODD repose en priorité sur des décisions à prendre au plan national et local, car c'est à cette échelle que peuvent être assurées la cohérence entre les différents objectifs et la redevabilité qui en découle. Aussi, est-il indiqué de s'assurer que les ressources mobilisées sont efficacement affectées pour plus de résultats. Pour accélérer les progrès vers les ODD, le gouvernement doit repenser la dépense publique en la protégeant contre les chocs des prix par des mécanismes tels que le fonds souverain, mais aussi en créant suffisamment d'espace budgétaire afin d'investir les ressources publiques dans les secteurs porteurs de croissance. Aussi, il est crucial que le pays accélère les réformes dans la mobilisation des recettes intérieures hors ressources naturelles. Mesdames et Messieurs, représentants des partenaires de la République démocratique du Congo, chers experts, distingués invités et participants, Mesdames et Messieurs, alors qu'il ne reste que sept ans avant l'échéance de 2030, nous sommes bel et bien devant un défi majeur qui ne peut souffrir d'aucune négligence, tout en réaffirmant la vocation de mon pays à continuer à mettre en œuvre des mesures accélératrice au cours de cette décennie d'action. Je voudrais terminer en rappelant à la mobilisation générale en vue d'inverser la tendance actuelle et de répondre aux urgences auxquelles font face les Congolais. Ainsi, l'accélération effective des progrès vers l'atteinte des ODD en République démocratique du Congo nécessite un accompagnement efficace et durable de partenaires de développement, du secteur privé, de la société civile et d'une jeunesse inspirée et engagée telle que représentée aujourd'hui dans l'enceinte de la prestigieuse université de Columbia. Je vous remercie. Thank you. Merci. 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 Voilà donc c'était le discours du président de la République le président Félix Tshisekedi qui est revenu ici on reprend donc le direct il est 15h passé de 39 minutes à New York 15h passé de 39 minutes à Kinshasa 10h passé de 39 minutes à Kinshasa le retour donc sur ce sur ce, sur ce discours présidentiel. Mais avant de parler de ce discours présidentiel, moi, je vous propose de revenir sur ce qu'on appelle les ODD, ent entendez, les objectifs de développement durable. Ils sont au nombre de 17. Quels sont-ils euh, Je pense, je vous propose de les passer en revue. 17, euh, 17 donc, elles sont, ils, sont non, ils sont donc au nombre de 17, parmi lesquels il y a. Euh, le numéro 1 éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 2 fin de la faim réaliser la sécurité alimentaire améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tous les âges assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir des opportunités d'apprentissage pour tous tout au long de la vie réaliser l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes et des filles garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau, accélérer l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous, promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, construire une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et favoriser l'innovation, réduire les inégalités dans et entre les pays, rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables. Assurer des modes de consommation et de production durable. 17, donc, dont beaucoup ne sont pas encore au rendez-vous dans le monde, et particulièrement en République démocratique du Congo. Vous venez d'entendre le président de la République énumérer ce qui a déjà été fait, mais reconnaître surtout qu'à ces temps de l'échéance, l'échéance des objectifs de développement durable, ODD, adoptés par l'Organisation des Nations Unies, qui constitue l'agenda 2030, qui associe à chaque objectif des cibles à atteindre en vue notamment d'éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous à 7 ans de l'échéance, le président Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation générale pour inverser les tendances et répondre aux urgences auxquelles font face les Congolais. Il a fait il a profité de son audience ici à New York dans une des plus prestigieuses universités des États-Unis, il en a profité pour. Il en a profité pour, euh, comme je le dis euh, à l'instant, il en a profité pour. Euh, non, il faut. Il faut. Oui, euh, il y a un petit problème de, de, de matériel. Il en a profité pour appeler à la mobilisation de la communauté internationale. Alors, le président de la République est ici. 2023, International Conference on Sustainable Development, c'est une conférence internationale sur les les ODD. Organisé ici à New York, à l'occasion ou en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République démocratique du Congo s'est exprimé. D'autres chefs d'État s'exprimeront dans cette université. Nous vous proposions l'intervention aujourd'hui du président de la République pour que vous voyiez ce que la République démocratique du Congo dit d'elle-même à l'international. C'était donc ici. Top, Congo, FM, toujours imité, jamais égalé.